endormi, mon amour. Ah oui, vraiment. Une nuit plus à tes côtés, c'était génial. Oh, c'est trop mignon. Bon, est-ce que José est réveillé? Je ne pense pas, puisqu'il n'est pas là. J'en suis pas si sûr. Regarde. Salut José. Salut, ça va les amoureux? Ça va et toi? Ouais, ça va super. Oh, mais qu'est-ce que t'as fait cette nuit? Qu'est-ce qui t'a mis là? Je suis en pleine forme. Oh, tant que ça, hein. Ah ouais, j'ai passé une nuit géniale. Mais qu'est-ce que t'as fait, hein? Oh, j'ai dormi. Ah, c'est tout? Ouais, j'ai bien dormi. Je crois que j'ai même trop dormi, en fait. Ah, oui, alors effectivement, ça change tout. Bah tant mieux alors. T'as rêvé de quoi, dis-moi? De plein de belles choses qui peuvent m'arriver. De plein de jolies filles. José. Quoi, maintenant que je suis... Que je suis bientôt divorcé, eh ben, voilà, hein. Maintenant que je suis bientôt divorcé, eh bien, les jolies filles, eh ben voilà, je vais bien rêver de, comme il se doit. Et peut-être même que, bientôt ce sera pas pour autre que pour du rêve, mais en vrai, je vois. T'as envie de retomber amoureux, c'est ça? Ben ouais. T'es sûr que c'est vraiment fini avec Béné? Ben oui, certain. Elle a demandé le divorce, elle m'a envoyé la procédure. C'est vraiment ce que tu veux, José? Écoute, oui, tu veux que je dise quoi? De toute façon, clairement, j'ai pas trop grand chose à dire. Hein. C'est moi le fautif, elle y est pour rien. Mais je la comprends en même temps, cela dit, ouais. Franchement, elle a demandé le divorce et heureusement, sinon je pense que on se serait resté dans l'impasse et j'avais pas envie. Je comprends. Je comprends, mon José. Bon, et alors, ma chérie, dis-moi, comment va Sandro? Sandro, il va très très bien, figure-toi. Vraiment. C'était sûr de ça. Ouais, il va bien, écoute. Il est en forme, il va plutôt bien. Il est plus ou moins en forme. Bon, il est un petit peu fatigué, il se remet doucement, mais il va bien. Mais tant mieux. Qu'est-ce qu'il fout là, lui? Oh non, il a dormi là? Max, non, pardon, c'est bon, non. Max, c'est moi, c'est Simon, ça va? Ah, Simon, t'as dormi là? Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, on s'est engueulé avec Ayem hier soir et j'ai préféré dormir là pour qu'on se calme tous les deux. Ah, on vous a pas entendu. On a essayé de pas faire trop de bruit. Mais bon, ça a été difficile. Je me reproche des trucs. Enfin, voilà. Bon, vas-y, raconte. Elle me reproche des trucs qui ont même pas lieu d'être. Toi aussi, elle te déteste. Moi, mais je lui ai fait quoi? C'est ma sœur. Eh ben, depuis que tu revois Léna et depuis qu'elle sait que t'as un fils, elle est devenue vraiment... Ouais, j'ai remarqué, je sais pas... Ça la tracasse peut-être, non? Écoute, j'en sais rien. Je sais pas. Je pense, ouais, j'en sais rien du tout. Ouais, ça la tracasse, je sais pas. Je suis pas dans sa tête, hein. Non, c'est sûr. Mais bon. Ça va aller, hein, chérie, t'inquiète pas. Ouais. Salut, vous deux. Ah, papa, ça va? Et ton fils, il va bien, mon fils? Il va super bien. Je te le présente très bientôt. Tu verras. Ah bah c'est juste génial alors si tu me le présentes très bientôt. Et oui, ça va Max? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? Ben... On s'est pris la tête avec Alien hier soir et... J'ai dormi sur le canapé. Ah merde, mais pourquoi? J'en sais rien. Pour n'importe quoi en fait. Et elle me reproche d'être... De passer à défendre, mais que je lui dise quoi, moi? Elle dit des trucs, je sais pas quoi lui répondre, moi non plus, des fois, enfin. Ouais. Hello tout le monde. Bah, qu'est-ce qui se passe? Vous en faites une de ces têtes, hein? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez vraiment des gueules d'enterrement, là, on se croirait. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un mort ou quoi, là?
Et si on se levait, ma chérie, hein? Oh non, je suis bien là, dans tes bras. Ouais, mais moi aussi, je suis bien, mais on a du boulot, hein? Tu sais, on a des choses à faire, hein? Mais on n'a rien à faire. Écoute, tu travailles? Moi, non. Écoute, Alex va bientôt sortir de prison, apparemment. C'est toi qui l'as. Tu penses ça, non? Non, je le pense pas. Écoute, c'est Julien, il a prévenu tout le monde que Alex était sorti d'affaires et puis moi aussi par la même occasion. Hein. D'accord. Enfin bref, bon, on s'en fout. C'est pas ça le plus important. Non. Le plus important, c'est d'être à tes côtés parce que je t'aime. Oh mon amour, t'es tellement mignonne. Allez, debout. Tu me prépares mon petit déjeuner au lit, chérie. Hein. Non, 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 tu te lèves et tu descends le prendre comme une adulte. Oh, allez, chérie, pour te faire pardonner. Me faire pardonner, ben, de m'avoir menti hier, que t'avais pas parlé à Léna. Oh, t'es encore avec ça. Eh ben, ouais, allez, va. J'ai compris. Je vais préparer le petit déjeuner. Yes! Bon, eh ben on va préparer le petit déjeuner pour Princesse Lali. Hein. En fait, chérie, j'ai oublié de te dire, ou je sais plus, je t'ai dit qu'il y a Giuliano qui va passer aujourd'hui. Ah, super! Comme si j'avais envie de voir sa tête de pédé à celui-là. Arrête, il est gentil. Ouais, tellement gentil, Virgile s'est fait piéger par lui. Et tu t'as entendu ce qu'il nous a dit, Virgile? Il vend pas que des services bien, ce mec-là. Hein? T'as entendu ou pas? Écoute, oui, j'ai entendu. T'inquiète pas, chérie. Je te le promets, mais je te jure, sur ce que j'ai de plus cher au monde, que je vais faire attention. Ouais, de toute façon, tu vas le balancer à la police. Non, je ne le balancerai pas. T'es sûr de ça? Oui, certain. Je vais pas le balancer, chérie. Écoute. Alors écoute-moi bien, Mathieu. On va faire un accord. Il va y avoir un contrôle de flingue, d'accord? Il est suspecté, ok? Oui, et. Alors écoute-moi bien. C'est soit tu le balances à la police, soit je m'en charge. Est-ce que c'est clair? Mais écoute, Chloé. Non, je ne le balancerai pas à la police et t'as pas intérêt à le balancer non plus. Hein? Parce que excuse-moi de te dire ça, hein, mais franchement, t'es pas toute bleue, toute rose non plus. Hein. T'en as fait aussi des bêtises. Crois-moi. Oui, bon bah d'accord, je sais. Mais je veux plus avoir d'affaires à des conneries comme ça. D'accord? Plus jamais. Alors, tu vas faire quoi? Soit tu le balances au flic, soit c'est moi qui m'en charge. J'ai juste à composer le numéro de Julien dans mes contacts. Et hop, il est en taule pour 20 ans. Tu fais quoi maintenant, hein? Ah, Julien, ça va? Salut Sandro, ça va? Comment tu vas ce matin? Ouais, moi ça va super. T'es arrivé toi, non? Tu te déranges pas, hein? Non, non, je viens d'arriver, non, tu me déranges pas. Hein. Comment ça va? Ben ça va, tu sais. Alex va sortir de prison et c'est cool. Et oui, le juge a admis sa libération officielle. Donc d'ici sous 48 heures, il sera dehors. On attend la vraie réponse aujourd'hui, normalement. Dans la journée, on aura la réponse et on va aller le prévenir. D'accord. Et pour organiser sa libération officielle. Eh ben c'est cool. Eh oui, c'est très très cool. On va pouvoir, tu te rends compte, on va pouvoir le libérer. Eh oui, c'est cool ça. Toc toc. Ah, je vous dérange pas? Edgar, bonjour. Salut Edgar. Qu'est-ce qui t'amène? Là, je vous dérange pas moi. Non, non, t'inquiète pas, dis-nous. Je venais aux nouvelles, je voulais savoir pour. Votre ami Alex, enfin, est-ce que la réponse a été accordée?
Alors, pas encore. On attend la réponse du juge aujourd'hui. Et on espère que ça va être accordé, évidemment. J'espère aussi. Vous savez, si j'ai fait ça, c'est parce que c'est un ami à vous et que je suis certain qu'il est innocent. Mais on sait ça, tu nous l'as dit, Edgar. Et je voulais vous dire aussi que si jamais il y a besoin d'autres témoignages, je suis là et je peux vous aider. Eh bien, c'est très gentil à toi, Edgar. Merci. Merci, Edgar, c'est super gentil à toi, vraiment. Merci beaucoup. Bon, eh bien voilà, tout est prêt. On va pouvoir se régaler. Y a quelqu'un? Ah, oui. Ah, Thomas, comment ça va? Salut, ma béné, ça va? Ouais. Alors, ça va, toi? Oui, super, super, merci. Pour ce que tu nous as parlé hier, ça va? Ouais, t'inquiète pas, on va le coincer, ce mec. On va le retrouver. Oh, mais qu'est-ce que je vois? Tu nous as préparé le petit déjeuner. Waouh, c'est très gentil. Eh ben, je prépare le petit déjeuner tous les matins. Oh, ben, c'est d'autant encore plus gentil. Tu sais, depuis que je suis plus avec José, ben, je pense que, ouais, j'aime bien préparer le petit déjeuner. Ça me fait du bien. Eh ben, écoute, tant mieux si ça te fait du bien, si ça, tu te sens bien en préparant le petit déjeuner, tant mieux. Eh oui. Écoute, Béné, je peux te dire quelque chose sans que tu le prennes mal? Bah ouais, bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi. Alors voilà. Tu me plais. Quoi? Quand t'étais avec José, tu me plaisais déjà beaucoup et je me disais que c'était pas possible parce que t'étais avec José. Mais là t'es célibataire. Et comme t'es célibataire, est-ce que... Eh ben, je me suis dit que... Je me suis toujours dit, t'es très belle, voilà. T'es vraiment une vraie femme et t'es fragile. Oh, ça me touche que tu me dis, Thomas, mais enfin, je suis pas... Enfin, je suis désolé, hein, mais je ne t'aime pas. Embrasse-moi. Ok. Hello tout le monde. Ça va? Oui, ça va. Salut Hélène, salut Peter. On vous dérange peut-être? Ben non, pas du tout. Pourquoi tu nous dérangerais, Peter? Non, je sais pas. Oh, mais tu nous as préparé le petit déjeuner. Ah, qu'est-ce que tu nous as préparé? Des œufs. J'adore les œufs. Je peux me servir? Vas-y, Peter, vas-y, sers-toi. C'est fait pour. Ça va, Béné? Et toi, ma Hélène? Ah, ça va, Thomas? Et toi, ma Hélène? Super, super. Hello! Bah, vous arrivez ensemble maintenant. Bah, on s'est croisés dans l'escalier par hasard. Voilà. Mais oui, on va vous croire. Peter, ça va, je plaisante, il faut ce qu'il veut. Là. Ça va? Bah, ça va et vous? Bah, écoute, oui, hein. Alors, bien dormi, mon frère? Très bien, et toi, mon frère? Super bien, mon frère. Ça va? Et toi? Oui. Ça va, Livia? Ben, écoute, oui, moi, ça va. Bon, ça va. Ça va, ça va. Fais gaffe, hein, Virgile. Hein. Bientôt, tu vas connaître toute la bande. Mais non. Bah, remarque, si, ça me dérangerait pas de connaître... tous vos amis s'ils sont aussi sympas que ton frère et que ton père. Oh, c'est gentil ça, je le prends comme un compliment. C'est un compliment, Cédric. Eh ben, c'est gentil. Mais alors, comme ça, Chloé et Mathieu t'ont vraiment dit qu'ils connaissaient le mec pour qui t'as déjà travaillé. Eh ben oui. Mathieu travaille pour lui, apparemment. Ce Giuliano Fernandez. Ah! D'accord.
Ah, d'accord. Lui aussi, il travaille pour lui, bah, putain. Quoi, tu le connais, toi? Ouais, c'est un riche homme d'affaires qui a plein de pouvoir et qui sait ce qu'il veut. Clairement, tout ce qu'il veut, il l'obtient. Il a tout ce qu'il veut, ce mec. C'est impossible de lui dire non, 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 machin. Il a vraiment tout ce qu'il veut. Tu comprends? Donc, tu vois... Voilà, quoi. Ouais, je comprends, je comprends. Mais, du coup, il est bien ou pas, ce type? Bah, écoute, il vend des trucs, ouais, enfin, il fait livraison de nourriture, livraison de plein de trucs. Mais, il vend pas que des biens, ce mec, hein, j'ai envie de dire. Pourquoi tu dis ça? Bah, il a déjà arnaqué des gens. Attends, quoi? T'es pas sérieux, là? Régine, c'est très rare, ça. Ce que tu me dis, là, il faut le dire à Mathieu. Eh oh, Mathieu, il se débrouille, hein, il a fait plein de conneries. Hein, Chloé lui dit je sais pas quoi, elle lui dit des trucs. Il veut pas écouter, donc du coup, maintenant, il se débrouille. Comment ça? Eh ben oui, ils ont déjà plongé dans du trafic de drogue, Mathieu et Chloé. Tu t'en souviens quand même? Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Mais bon, en tout cas, si Mathieu fait attention, peut-être que s'il est prudent. Ben, j'espère vraiment alors qu'il est prudent. Mais vraiment. Ouais, moi aussi, j'espère qu'il est vraiment très prudent. Qui se frappera pas à voir. Non, ça c'est sûr. Enfin bon. S'il se fait avoir, pas grave. Si, quand même un peu. Hein. Enfin bon. Alors, t'as rencontré la meilleure amie de ma sœur, Chloé. En vrai, elle est très gentille. Bon, ça va? Elle te manque pas trop, ta chérie? Un petit peu. Mais elle est partie travailler, tu vois. Au moins, elle travaille. Elle fait pas... rien. Et elle trompe pas son mec. Oh, ça va. Hein. toi, tu l'as bien déjà trompé. Hein. Oui, mais sur qu'elle, elle trompe pas sa meuf. Enfin, remarquez, on l'a pas. Mais elle est pas sortie avec 7 gars différents pendant que j'étais avec elle, tu vois. Oui, enfin, excuse-moi, hein, t'es pas tout blanc tout rose non plus. Tu veux qu'on rappelle l'histoire de Cindy? Je pense que si je le dis à Marie... Eh ben, t'es mort en fait. Parce que tu lui as menti. Ah non, tu te tais, tu lui dis pas, d'accord? On verra bien. Bah, ça peut être qui? Entrez. Bonjour Nicolas, bonjour José. Ah Rudy, ça fait plaisir. Comment tu vas? Ça va, ça va. Ah, c'est la mort du jeune qui te t'attriste un peu, c'est ça? Oui, c'est ça, c'est ça. Bon, qu'est-ce qui t'amène, mon Rudy? Tu sais, Nicolas, je suis certain que Jeanne n'est pas morte. Ah ouais? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, écoute, si elle est morte, il doit y avoir un rapport. Il doit y avoir quelqu'un qui lui en a voulu, je sais pas, mais il y a une explication. Et ah ouais? Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Je sais pas, une intuition, une certitude. Je suis sûr qu'elle n'est pas morte. Et tu sais, Nicolas... Sans doute que... Bon, je sais que tu sais, toi et moi, on sait quand même tous les deux que Jeanne n'a pas toujours été très correcte, tu vois. Oui, c'est vrai, effectivement. Mais je pense pas que c'est du genre à trafiquer dans des trucs bizarres. Oui, mais peut-être qu'il y a des gens qui lui en voulaient pour des trucs qu'elle aurait peut-être fait, je sais pas. Je suis certain que c'est pas un accident. Ayem, faut que t'arrêtes de le mener en bateau comme ça, Max. Ah ouais? Et c'est toi qui me fais la leçon morale? Non, mais je te dis juste qu'il faut que t'arrêtes de te comporter comme ça avec lui. Ah ouais? Alors écoute-moi bien, j'ai pas de leçon à recevoir d'un putain de connard qui sort avec une putain de connasse et qui en plus s'est fait faire un gosse dans son dos. Arrête, ça a rien à voir, ok? D'accord? Oh, calmez-vous, là. Oui, écoutez, on s'est disputé, et alors tous les couples se disputent et se réconcilient après. Oui, pourquoi vous êtes disputé? Mais je ne sais plus, c'était sans doute pas grave. Je te demande pardon, Max, voilà. Non, mais ça va, ma chérie, t'inquiète pas. Écoute, je te connais maintenant. Je sais comment tu es. Je sais que t'es pas du genre à te laisser faire. Enfin, bref, bon... En tout cas, moi,
J'ai une carte mémoire à retrouver. Et j'espère que je vais pouvoir la retrouver très vite. Parce que je suis foutu. Si je retrouve pas cette putain de carte mémoire, je suis foutu. Il y a quoi exactement dans cette carte mémoire, Max? Midi, dans cette carte mémoire, il y a exactement tout ce qu'il contient des trucs sur moi. Et si je trouve pas ça, eh ben, je te dis adieu à ma belle vie. Hein. T'as fait des choses si graves que ça? Oui, bah, peut-être pas si grave, mais quand même un petit peu osé, quoi. Ah, coquin. Non, c'est vraiment pas drôle, tu vois. Ouais. Il a de la chance que c'était avant de me connaître, sinon... Ouais, sinon... Tu lui aurais tiré les oreilles, c'est ça? Exactement, oui. Oui. Vraiment. Merci pour le petit déjeuner au lit. Et pour ce que tu m'as fait aussi. C'était... C'est vrai, ça t'a plu? Ah ouais, c'était génial. Vraiment. Si je pouvais, je le recommencerais bien. T'en as encore envie? Non, attends, laisse descendre. On va se lever quand même un jour. Ah, c'est toi qui dis ça? Alors tu m'as forcé à préparer le petit déjeuner au lit? Eh ben oui, bah, c'est fait pour ça, mec. Ah oui, ben oui, écoute. Quand il ment à sa femme et qu'il veut se rattraper, rien de tel que de lui faire plaisir avec un petit déjeuner au lit. Ah ouais. Eh oui, mon John. D'accord. Bon, ben debout alors. Exactement. Bon, moi, je vais me préparer. Hein. Et voilà, je suis prêt. Oh, déjà? Ben, toi aussi, t'es prête? Eh ben, oui, j'avais dit une jupe avec un petit t-shirt comme ça. Tout simple, c'était bien. Ah ouais? Eh ben, t'as bien raison, ma chérie. Bon, on va en bas? Ok. Et voilà, on est levé. Ça y est, t'es contente d'aller ton petit déjeuner au lit. Maintenant, t'as hâte de me faire chier, bordel. J'arrête, ouais, j'arrête de te faire chier une bonne fois pour toutes. Ah oui, vraiment. Je vais arrêter. Pas sûr que tu vas arrêter. Bon, bah oui, d'accord. Je te le promets. Ouais, t'intéresse, non. Sinon, tu vas frapper, hein. C'est ça. Non, je... Pas du tout, je... Je suis même pas capable de faire ça. Ouais. Pas encore heureux que t'es pas capable. Ah, attends. Enfin, bon. Bref. Hein. Tu sauras que je t'aime quand même. Tu sauras. Je le serai, tu m'aimes. Tu es fou amoureux de moi. Et tu vois personne d'autre. Et tu parles à aucune autre fille sans mon autorisation. Même pas à ma fille, ça va être compliqué. Ta fille exception, hein. Mais sinon, non. Ah ouais, vraiment. Je rigole, mon amour. Mais fais gaffe, hein. Je suis très jalouse. Ah ouais? Ouais, vraiment. Bon, il y a Giuliano qui va arriver. Je peux compter sur toi? Pourquoi faire? Pour le protéger? Pour le protéger, lui? Non, sûrement pas. Tu vas voir. Tu me laisses parler. Entre, c'est ouvert. Ah, tu laisses rentrer comme ça. Il est pas con, ça va, c'est bon. Salut, Mathieu. Chloé. Bonjour, ouais. Alors, écoute, Mathieu, tout d'abord, je voulais te dire, les flics m'ont interrogé. Et je pense qu'ils vont pas tarder de t'interroger, toi aussi. Ah. Écoute, Mathieu, je peux te faire confiance, hein. Les flics vont sûrement t'interroger et... Non, tu peux pas lui faire confiance, non. Quoi, mais qu'est-ce qu'elle dit? C'est pas toi que je parle, c'est à ton mec. Même. Je sais tout. Et Mathieu, il va tout dire aux flics. Et toi, tu vas finir ta vie en tôle. Mais ça va pas, mais elle délire ta meuf, elle m'est fait à l'internet, hein. Ah ouais? Alors écoute-moi bien, tu nous laisses tranquille, ou on dit tout aux flics. Moi me faire enfermer par rapport à un pauvre minable comme toi, Virgile, ça me dit quelque chose? Virgile, ouais tu sais, plutôt petit, brun, plutôt mignon d'ailleurs. Tu sais ce qu'on fait? Virgile. Non, j'en sais rien, mais je peux te dire, qui nous a fait des révélations sur toi. Attendez, Virgile. Vous connaissez Virgile? Ouais, on connaît. Pourquoi ça te pose un problème? Non, pas du tout, j'en ai rien à foutre. Qui crève ce mec? Voilà. Hein? Ah ouais. Chloé, s'il te plaît, excuse-moi, Giuliano, hein. Franchement, elle est folle. Non, moi, je suis folle. C'est mon propre mec qui me dit ça. Bon, très bien. D'accord.
Alors écoute-moi bien, Giuliano. C'est soit t'arrêtes tes délires et t'arrêtes de nous faire chier, tu nous laisses tranquille une bonne fois pour toutes, moi et mon mec, soit je te dis un soft link, ta choix. À choisir, moi je préfère la première option. Hein. C'est nul d'aller chez les filles, tu sais. Oh, tu sais que c'est très nul, c'est malsain. Oui, Adix. Oui, ma chérie. Quoi? T'arrives bientôt? T'arrives demain? T'es sérieuse, Adixia? Tu prends l'avion ce soir? Ah, et tu seras là demain matin, d'accord. Non, bah écoute, oui, écoute, prends-moi des affaires. En plus, j'ai plus grand-chose, alors ça tombe bien, ça te dérange pas. Ouais, ça marche, une valise chacun, et puis après, pour le reste, on verra comment on fera. Mais t'es vraiment sûr que toi, tu veux revenir en France? Ok. Tu vas pouvoir m'aider à trouver ce que je cherche depuis longtemps, alors. Ouais. D'accord. Bon, bah, à demain. Eh ben, en tout cas, c'est beaucoup mieux d'aller au salon après le petit déjeuner plutôt que de rester dans la cuisine à rien faire. Eh ben oui, exactement. En tout cas, merci ma bénie, tu nous as régalé. Oh non, mais je t'en prie, hein, ton plaisir était pour moi. Et d'ailleurs, vous deux, dites-moi, Bénédicte et Thomas, là, il m'a semblé que vous étiez en train de vous embrasser quand on est arrivé avec Hélène. Je me trompe pas, non? Oh, Peter, mais où tu vas chercher ça? On sait pas, on s'est embrassé, nous? Non, écoute, j'avais... Oui, elle avait un truc dans l'œil, du coup, je l'ai gentiment enlevé. Ouais. C'est bizarre, j'étais un peu en pleurs après. Ah ouais, c'est bizarre. J'ai pas du tout vu ça comme ça. Mais laisse mon frère tranquille, Peter, voyons. Tu vois bien qu'il est gêné. Puis écoute, s'il a envie de se mettre avec Béné, qu'il fasse, hein. Bon, attends, quoi? Et José et Béné, t'en fais quoi? José, c'est terminé. On peut rester amis, hein. Mais voilà, j'attends qu'il ait signé la procédure de divorce. Et après, ce sera tout fini, hein. Donc tu vas vraiment divorcer? Et ouais. Eh ben, écoute, oui. Ben, écoute, j'espère que tu seras pas trop malheureuse. Sinon, je peux te consoler. Ah tiens, tu vois la drague? Mais non, il plaisante. Hein. Évidemment. Mais oui, je plaisante. Oh. Ouais. C'est bizarre, je vois pas ça comme de la plaisanterie. Je crois que t'es en train de tomber amoureux d'elle. N'est-ce pas, Thomas? Peter, arrête, s'il te plaît. Bon, bah, d'accord. Enfin, bon. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand après tout. Et ben voilà, ils font ce qu'ils veulent, ils sont grands. Hein. Ah là là. Excusez-le, hein, il est incorrigible. Mais on connaît Peter, c'est pas pire que José, hein. Non, c'est sûr. Ça va, Livia? Tu dis rien depuis tout à l'heure? Non, c'est juste que ça me fait rire. Bénédicte. José, marié. Bénédicte, José, divorcé. Bénédicte, Thomas, couple. On n'est pas en couple? Sûr? Oui. Bon, bah, d'accord. Ah, là, bon, bref, sans parler d'autre chose. Mais bien sûr, vous voulez parler de quoi? Eh bien, c'est cool que Sandro soit revenu. Et c'est cool qu'Alex sorte de prison dès demain, normalement. Eh, venez, j'ai une idée. Quoi, rien? Venez pour la sortie de prison d'Alex, on lui fait une grande surprise. Ouais, pourquoi pas. Faut qu'on voyage Julien. Faudra que j'appelle Julien. Et venez, on va tous l'accueillir à sa sortie de prison. Il y aura beaucoup de monde, hein. C'est sûr. Sérieusement? Alex sort vraiment de prison demain? Eh bien, écoute, normalement, oui, Julien m'a appelé hier soir en me disant que il y a un ami de Sandro qui a tout révélé, qui est au courant de tout, voilà, parce que ils sont très amis et que, eh ben, voilà. Et donc, du coup, eh ben, l'ami de Sandro est au courant de tout et il a témoigné parce que
il savait pertinemment ce qui s'était passé. Donc voilà. D'accord. Et donc, du coup, ça fait que Alex va sortir de prison très bientôt. Et ben, je pense qu'il va être content. Et ben, c'est sûr qu'il va être super heureux. Non, mais c'est cool pour lui après. Ben oui, c'est sûr que on est tous contents pour lui, évidemment. Et ben, exactement. Je le connais pas, mais ça a l'air d'être un type chouette. C'est un type chouette. Mon amour. Ah, d'accord. Eh ben, cool, alors. bon. C'est pas trop sage, mais j'ai un peu de boulot, moi, quand même. Ah oui, d'ailleurs, tu repars quand en voyage d'affaires? Pas pour l'instant, non. Je travaille de la maison, là, en ce moment. Je vais au bureau. Il y a des bureaux à Paris. Mais c'est pas prévu. Bon, j'ai juste un coup de fil à passer. Je reviens. Ok, vas-y. Hein, vas-y. Hein. T'es vraiment sûr de ce que tu nous racontes, Rudy? Certain, écoute, c'est une certitude, je t'assure, je suis sûr. Ça fait un peu gros quand même, Rudy. Mais laisse-le, écoute, peut-être qu'il croit vraiment, ou peut-être que c'est vraiment vrai, hein. Ouais, je pense pas. J'aime peut-être aller du genre à trafiquer, mais, enfin, quand même, quoi. Même si je l'apporte pas vraiment dans mon cœur, c'est vrai que c'est une grosse trafiquante qui fait des trucs pas très clairs. Mais bon, voilà, hein. Quand même, hein, c'est pas un accident, non, ça, y a que ça, je suis d'accord. Mais qui aurait voulu la tuer? Eh ben, justement, je cherche, voilà. Je cherche toujours depuis quelques jours et je sais pas. Écoute, effectivement, c'est vrai que c'est assez compliqué, hein, d'entendre ça. Mais bon, après, enfin, tu sais, Rudy, si elle est vraiment morte, on pourra rien faire. Si, retrouver le salopard qui l'a tué et l'interroger. Voilà, d'accord? Enfin, l'interroger. Ouais. Bah après, oui, pourquoi pas, c'est possible, hein. Mais bon. Après, je pense pas que ça sera pour maintenant que on va le retrouver. Faut en parler à Julien. Maintenant que Sandro est revenu, peut-être qu'il peut faire quelque chose. Arrête, il en a déjà fait tellement pour nous, Julien. Oui, c'est sûr. Donc, voilà. Et tu veux pas prévenir Julien? Si, mais pas pour l'instant, écoute. Après ce qu'il vient de vivre, Sandro vient de revenir. Donc, tu sais, c'est un peu compliqué de prévenir Julien, hein, sachant que, eh ben, Sandro vient de revenir, voilà. Et puis voilà, c'est marrant, hein. Ça a pas l'air de t'inquiéter plus que ça. Mais si, mais c'est juste que pour le moment, je vais pas embêter Julien avec ça, parce que on n'est pas vraiment sûr, en fait, au final, tu vois. Je vois. Donc, écoute, fais ce que tu veux, hein. Mais tu viendras pas chialer après que t'as des problèmes, hein. Je suis désolé. Moi, je te plains pas, hein. Écoute, je le préviendrai, je te le promets. Mais je vais le laisser un peu, Sandro est vivant, je vais laisser un peu reprendre leurs émotions. Mais oui, c'est normal, attends, IM. Toi, tu voudrais tout de suite, alors que, non, en fait, c'est pas possible. Faut que tu te mettes dans le train de ça, hein. C'est pas possible d'avoir tout de suite, bordel. C'est toi qui dis ça. Eh ben oui, c'est moi qui dis ça. Pourquoi? Ben non, je sais pas, comme ça. Ah, comme ça. Ben oui, ouais, comme ça. D'accord, ben écoute. Écoute, ma chérie, je te promets que je vais aller le voir, Julien. Mais attends quelques jours, le temps qu'il reprenne contact, qu'il renoue avec Sandro, parce que, après ce qui s'est passé, tu comprends, c'est difficile quand même. Bon, ben d'accord, ok. Et voilà, c'est vrai, t'es content, tu vas pouvoir sortir, hein. Eh oui, putain, tu te rends compte, après des mois passés ici à pourrir, je vais enfin sortir, quoi. Le juge doit accepter ma démission aujourd'hui et normalement demain je suis dehors. Tu te rends compte ou pas? Je suis trop content. Je suis vraiment trop content. Attends, tout ça, j'aurais pu sortir avant si on aurait... Tout ça à cause d'un putain de témoignage, j'aurais pu sortir avant si on aurait trouvé le vrai coupable. Si on aurait trouvé...
un putain de mec qui aurait pu témoigner avant. C'est génial. Je suis content pour toi. Excuse-moi, je m'emballe un peu. Excuse-moi, je suis content de sortir, mais excuse-moi, j'ai pas pensé à toi. Je te promets que dès que je sors d'ici et dès que j'ai retrouvé un petit peu mes esprits, je fais tout pour essayer de te faire sortir d'ici. T'as compris? Ouf, c'est vrai, je te le jure. Ok, bah merci. Non, t'as pas à me remercier. C'est normal. Écoute, tu sais, depuis le début que tu es là, Alex, tu m'as déjà apporté beaucoup, tu sais. Tu m'as aidé à me positiver et à me poser aussi. Donc, merci et voilà, merci. Mais je t'en prie. On est bien dans cette petite maison là, comme ça. Et oui, sauf qu'il manque quelque chose. Ah ouais, quoi? Bah, il y a un petit vide quand même, tu trouves pas? Un vide? Bah, ouais. Comment ça, un vide? Je sais pas, enfin. Ouais, il y a quand même un petit vide, écoute, bon. Tu sais. Un petit bébé, un petit Lali Junior, ou un petit John Junior. Qu'est-ce qu'on dit? Je sais pas. Écoute, je sais pas du tout. J'en dis que c'est peut-être bien. Hein. Mais là, comme ça, maintenant, quand même pas. Bah, pourquoi pas? Je sais pas. On l'a fait déjà tout le matin, c'est bon. On verra ce soir. Si t'es sage. Oh, je suis toujours sage. Surtout pour faire un câlin. Ah ouais? J'avais pas remarqué. Hein. Tu verras. Je fais exprès, mais je le fais ça parce que je t'aime. Ah ouais. Tiens, Stéphanie, ça va? Une revenante, mais tu faisais quoi? T'étais où? J'étais quelque part. Allez, dis-moi. Bon, d'accord. Alors voilà, j'étais avec un mec et c'était génial. Voilà. Eh ben, tant mieux. Je suis content pour toi. Tu sais que Sandro est revenu. Ouais. Tu sais qu'Alex sort de prison demain. Quoi? T'as pas vu Julien, là? Encore, pourquoi? Normalement, Alex sort de prison demain. Il a été innocenté grâce à Edgar. Tu sais, la ligne Sandro qui s'est occupée de lui pendant que Sandro était amnésique. Ah oui, ça y est, je me souviens. Je vois, tu sais. Mais alors, il a témoigné, mais comment il a pu savoir tout ça? Eh bien, j'en sais rien, mais il sait tout ça. Et il a témoigné, il a confirmé, il a signé. Et le juge vient de confirmer à l'instant que Alex va être libéré. Exactement. C'est génial. Eh oui. Ah là là, Edgar. Ah là là. Ce fameux Edgar. Qu'est-ce qui est drôle, hein? Sacré Edgar, là. Ouais, mais au moins, il nous aura bien aidé. On a quasiment pas fait le boulot, du coup. Si. On a dû trouver des gens. On avait trouvé. On aurait pu essayer de retrouver ce Mikovic. Seulement, s'il n'était pas mort. S'il n'était pas mort, on l'aurait interrogé. Comme il est mort, on va pas l'interroger. Voilà. C'est exactement que j'allais dire. écoute, j'espère bien que t'allais dire ça. Enfin. Et ouais. Alex va être libéré? Oui. Salut Steph. Ça va? Bonjour. Ouais, c'est ça, bonjour si tu veux. Comment ça, Alex va être libéré? Oui, demain. Le juge vient d'accepter sa déposition et d'accepter la remise en liberté. D'Alex. C'est génial, hein. Évidemment que c'est génial, enfin. Il va être très heureux, en tout cas. Ouais. Moi, j'en suis pas si sûr, tu vois. Qu'il soit très heureux, tant mieux. Écoute, Julien, je suis certain qu'Alex n'est pas si innocent que ça. Moi, je te dis que si, Steph. Ok? Tant mieux si tu vas être libéré.
Et ouais, je vais être libéré. Je vais sortir d'ici et je vais tout faire pour t'aider. Je te le promets. C'est super gentil, Alex. Merci. C'est, tu sais, t'es vraiment un vrai ami. J'ai fait des bêtises, mais toi, tu m'as pas jugé. Tu m'as regardé normal et tu m'as compris. Et c'est ce que je voulais depuis très longtemps. Et ben voilà, tu l'as eu. Et t'inquiète pas. Dès que je sors d'ici, je m'occupe de toi. Je te le promets. Merci. Merci, Alex. Ok, bon bah ok, ça va, c'est bon, je vais vous laisser tranquille. Mais il y aura quand même le contrôle. Ouais. Et bah le contrôle, tu te fous dans le cul. Nous, on va tout balancer. Tu vas finir ta vie en tôle. T'inquiète pas, Giuliano. Je dirai rien. Je trouverai des excuses. Voilà, ma femme, elle sait pas tout. Ok, merci Alex. Merci Mathieu, c'est gentil. Tu sais, écoute, j'espère que tu tiendras parole. T'inquiète pas, je te le promets. Je dirai rien, je trouverai des excuses. Chloé, elle sait pas tout. Merci. Et puis, je suis à l'intérieur de ta meuf, hein. Complètement cinglée, celle-là. Connasse. Non mais, je rêve. Non mais, il s'est pris pour qui celui-là? T'as vu comment il m'a parlé? Ouais, enfin, tu l'as bien cherché. Pardon. Pardon, hein, mais bon, quand même, c'est vrai, avoue que tu as quand même pas mal cherché. Hein. Ah non mais l'autre. Écoute, t'as été dur avec lui. Moi j'ai été dur. C'est la meilleure celle-là. Ah, eh ben. On dirait que papa reprend ses affaires. C'est peut-être une jolie fille qui est au téléphone et pas seulement un mec pour son boulot. T'arrêtes de te mettre s'il te regarde pas, toi. Oh, ça va lui, il est pareil. Tu sais, c'est parce qu'il a osé me dire hier quand je suis venu. Oh, Félix, ça faisait 3 jours que je t'avais pas vu. Qu'est-ce que tu foutais? La prochaine fois, tu me donneras des nouvelles. Parce que. Voilà, hein. En gros, c'est ce que je lui dis et ferme-la. Je lui ai dit que non seulement j'avais pas de compte à lui rendre, il a osé me dire, t'as rencontré une meuf et tu l'as baisé non-stop pendant 3 jours. Oh, non! C'est ce qu'il m'a dit ton père, Aya. Oh, le coquin! Ça se trouve, c'est lui, depuis le début, qui fait ça. Et pour pas l'avouer, eh ben, il fait ça. Bref. Hein. Ça va, Virgile, là? Ouais, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? T'as pas l'air, Non, bah ça va, enfin, oui, ça va, t'inquiète pas. C'est juste que. C'est le Giuliano, franchement, il m'intrigue. Je pensais pas que des gens de votre entourage le connaissaient. Et ben moi non plus, je savais pas. Et il sait des trucs, est-ce qu'il peut parler, lui? Ben non, parce qu'il sait pas grand-chose. J'ai travaillé pour lui pendant 2 mois, c'est tout, et après, c'était fini. Mais bon, il a arnaqué des gens, pas tout le monde, hein. Après, je peux bien trouver toutes les astuces de la terre si j'ai envie. Mais flemme. Bon, voilà, j'ai passé mon coup de fil là. Ah, cool. C'était bien. De quoi? Ton coup de fil, idiot. Ah, oui, c'était bien, mais bon, enfin. Oui, c'était très très bien, figure-toi. Et tu sais quoi, je vais te dire, même. C'était pour du boulot. Et je viens de récupérer 100% du part du marché. Ah, bah, c'est génial pour tes affaires. Dis-moi, tu veux pas faire la danse avec Peter? Parce que vous deux, ensemble, je suis sûr que vous ferez des affaires géniales. Au top. Non, j'ai pas vraiment envie, non. Pas vraiment. D'accord, Julien. T'es sûr qu'il est tout blanc, tout rose, ton pote? Mais écoute, oui, il a fait des bêtises. Oui, il a fait des trucs. Mais il est innocent. Oui, le piratage informatique, oui. Mais il y a des trucs où il est innocent. Et si la juge, elle a accepté qu'il sorte de prison, c'est pas pour rien non plus. D'accord? Excuse-là, je m'y allais comme ça depuis le jeudi, j'aurais dû fermer la gueule. Mais moi, je le connais pas. Donc, je peux pas se mentir. Je peux pas savoir comment il va, s'il est bien ou pas, voilà. Eh ben, écoute, c'est pas grave, hein. L'important, c'est qu'il sorte de prison et qu'il soit heureux. Exactement. Eh ben, j'espère qu'il tiendra parole. Oh que oui, t'inquiète pas. Edgar, je pense qu'il, ce que s'il a dit, c'est qu'il le pensait vraiment. Je connais Edgar, c'est pas du genre à se laisser aller par des malades mentales. Clairement pas.
T'es sûr de ça? Ben oui, je suis certain. Ah ouais? Eh ben réfléchis bien quand même. Hein. Parce que je pense pas qu'il soit vraiment tout blanc, tout rose, ton Alex. Hein. Puis le Edgar là. Comment il a pu savoir tout ça? Comment? Il était à Love Island au moment des faits. Il sait tout ce qui s'est passé. Il a trouvé des caméras de surveillance. Il a réussi à les enregistrer sur une clé par FC. Mais nous, on le croit. Voilà. Bon, bah, d'accord. Écoutez, moi, je suis fini. Je fais mon travail. Hein. Du coup, si ça plaît pas, tant pis. Hein. Mais ça plaît pas. Mais bon, on s'en fout. C'est pas grave. Écoute, Steph, tu connais pas. C'est normal que tu sois méfiante. On oublie. On oublie. Alors, en tout cas, elle va sortir. Moi, je suis très content de revoir mon pote. Hein. Alors, en fait, Adrien m'a appelé. Il va organiser une grande fête demain pour la sortie d'Alex. Ben, elle a bien raison, ça se fête, enfin. Ah, il y aura toute la bande. Je crois qu'il y aura toute la bande, effectivement. Et ben, c'est cool, hein. Et oui, c'est génial. Tu as été un peu fort avec Giuliano, non? Ouais, ben au moins, il va tout la paix, hein. Et au moins, il est en train de te péter les couilles pour rien, d'accord? Oui, t'as peut-être raison, mais je te jure que tu te tais. T'as compris? Tu ne le dénonces pas. Tu le laisses faire ses affaires. Moi, je travaille plus pour lui, de toute façon. Mais ne le dénonce pas, s'il te plaît. Mais pourquoi, écoute, il faut le dénoncer. Il faut le dénoncer au flic. Je vais appeler Julien, je vais tout lui dire. Je vais lui expliquer tous les trafics qu'il fait. Et comme ça, il sera dénoncé. Et il va aller en prison. Et ça sera bien fait pour sa gueule. Ok? Non. Est-ce que t'as compris? Non. Chloé, s'il te plaît, ne le dénonce pas, je te le demande. On arrête tout, il n'y a pas de souci. Je travaille plus pour lui maintenant. Mais, parce qu'évidemment, il y a un contrefait, mais, tu veux pas le dénoncer, alors qu'il faudrait. Mais je veux pas le dénoncer parce qu'il n'y a rien à dénoncer. Il n'y a rien à dénoncer, écoute, chérie. Bon, bah, je veux pas le dénoncer. Mais, tu travailles plus pour lui. Je te le promets. Allez, viens là, t'inquiète pas, chérie. Je te jure que ça va aller. Je te le promets. T'as intérêt. Vraiment. Mais oui, je te jure. Ouais. Enfin. L'important, c'est qu'on soit tous les deux. Et qu'on s'aime. Non. T'as raison. Eh bien, je vais te le dire. Je t'aime. Non mais franchement, tu l'as vu le Rudy là? Non mais sérieusement, il croit vraiment que Jeanne a été tuée par hasard? Non mais il a pas dit ça. Il regarde là, oh, putain, il saoule lui aussi. Eh hey, mais t'aimes personne toi ou quoi? C'est ton divorce c'est ton divorce qui se met dans cet état là en ce moment parce que waouh, putain, c'est dur. Eh hey, oh, je parle pas de mon divorce hein. Franchement mais regarde, oui il y a toute une explication, mais regarde, il parle de jeune comme si c'était une reine, comme si c'était la meilleure du monde, comme si c'était la reine de ses yeux. Jeanne elle est pas blanche rose hein, je te le dis, elle est pas noire et blanche. Elle a beaucoup de défauts, je te le dis, ouais. T'as quand même une histoire avec elle. Une petite histoire avant de connaître Benny, non? Oui, c'est vrai. Ben voilà, alors. Alors, rien. Nicolas? Ah, Jason. Salut Nicolas. J'ai un gros problème. Oui, ça se voit, t'as pas l'air bien. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, j'ai enquêté. J'ai dû faire des trucs assez légal et... ils vont relancer jusqu'à moi. Et c'était pour t'aider, Nicolas. Et merde! Putain! Et je crois que... il faut que tu fasses attention parce que... les flics peuvent te retomber dessus. À toi aussi. Alors fais gaffe, s'il te plaît, Nicolas. Alors? T'as du nouveau sur cette affaire? Non, j'ai pas grand chose, et là, c'est... je crois que... quoi, dis-moi. Eh ben, faut le laisser tomber. Faut le laisser faire, le mec.
Alors, c'est aujourd'hui que votre pote sort de prison. Et oui, tu veux venir avec nous? Non, c'est gentil, mais je connais pas, je vais pas m'incruster, sûrement pas. Bon, bah écoute, comme tu voudras. En tout cas, restez sur vos gardes, quand même. Faites gaffe, vraiment. Est-ce que ça te dit qu'on allait récupérer Alex avec toute la bande à sa sortie de prison? Tu veux? Ben ouais, mais après... Quoi, mais après? Ben... Ah, mon petit Simon! Ça va? Mais oui, alors, vous aussi, on va chercher Alex? Eh ben oui, mais en fait, mon père, il est pas bien. Oh, non. Mais c'est vrai, quand je lui en ai parlé, il a pas répondu. Ah...